La cour. Mesdames et messieurs, veuillez vous asseoir. L'audience est reprise. Monsieur le Président, messieurs les conseillers, mesdames et messieurs les jurés. Il faut raconter un maximum de choses avec une feuille de papier, crayon, et puis trois couleurs. Et puis il faut raconter souvent des drames, hein. Il faut raconter des mensonges, il faut raconter des bras de fer, il faut raconter... Et voilà. À 59 ans, Philippe Antonetti a eu plusieurs vies. L'une d'elles est consacrée à retracer en images les grands procès qui ont marqué la Corse au cours des deux dernières décennies. Il est ce que l'on appelle un dessinateur d'audience. Dans le dessin d'audience, il y a cet aspect social, sociétal, humain, cette souffrance, ces histoires qu'on raconte, ces trucs qui n'arrivent pas qu'aux autres, en fin de compte. Et voilà, et on est témoin privilégié de tout ça, et puis on doit le restituer de façon juste. La question est posée, la question a été posée par nous, et nous seuls, avant le procès. La question de savoir si le crime devait être seulement orienté vers le passé. Il a compris ce qu'est une audience. Et à un moment donné, il capture, comme les bons dessinateurs d'audience, il capture quelque chose. C'est quelqu'un qui, à force de fréquenter les gens d'audience, les avocats, il a un regard à la fois ironique, parce qu'il nous regarde de manière toujours ironique, il n'y a pas, derrière sa barbe, se cache un vrai intérêt pour les gens, et en même temps une pudeur que j'aime bien. Il parle peu, cet homme. Il dessine bien, mais il parle peu. Homme discret, Philippe Antonetti parle rarement, mais se définit pourtant comme narrateur. Son métier, c'est l'expression dessinée. Le principe est de raconter simplement, en restant complet et crédible. Il y a une seule information par image, mais l'information, il faut qu'elle soit forte et pertinente. C'est-à-dire, c'est un exercice techniquement absolument qui nécessite la plus grande rigueur. Peintre, bédéiste, illustrateur, l'homme a eu 1000 parcours. Mais il a depuis longtemps abandonné chevalets et prestigieuses galeries internationales pour des formes d'expression plus accessibles, plus vivantes, mais tout aussi exigeantes. On nous prend pour des imbéciles parce qu'on fait des choses très faciles à comprendre. Enfin, mais elles sont surtout très faciles, elles sont rendues faciles à comprendre pour tout le monde. Je crois que c'était Bukowski qui disait un artiste... parle simplement de choses compliquées, un intellectuel parle de façon très compliquée de choses simples. Je suis très content que Bukowski l'ait dit avant moi. Voilà. Comme l'écrivain américain, l'artiste bocognanais considère qu'il faut vivre pour avoir des choses à dire. Ce qu'il aime, c'est inscrire son travail dans le quotidien des gens. On utilise le mur et le mur d'un établissement public, un bar c'est un établissement public, et c'est même plus que ça à mon avis en Méditerranée, un bar c'est quand même c'est le centre du monde, le bar c'est le forum du village, enfin c'est comme ça que je voyais les choses. Son chef-d'œuvre dans le registre, c'est cette peinture murale réalisée en 2004 dans l'établissement de son ami Joseph Bisgambille, dit Jojo. Le matin, elle a débarqué, ça a été une discussion de bar. Hein. Voilà, elle a commencé à mettre des gens connus, des pacifiques, Staline, Mao, Massoud, Arafat. Et après, elle a voulu faire un mélange de gens de la commune. Et après, un jour, a débarqué l'ancien maire de Bastia, Émile Soucaré, et qui m'a demandé gentiment s'il pouvait être sur la fresque. Et on l'a mis sur la fresque. Le mur de l'Austérie est devenu une institution et ceux qui y sont représentés le prennent, la plupart du temps, comme un honneur. Aujourd'hui, un nouveau personnage fait son apparition. C'est le premier en 12 ans. Gilles Simeoni, président de l'exécutif de Corse. Il a sa place chez les Diablotins. Maintenant, s'il veut redescendre sur Terre, libre à lui. Lorsqu'il ne traîne pas ses pinceaux dans les bars et les tribunaux, Philippe Antonetti cherche de nouvelles formes d'expression. Dernier projet en date, un objet situé entre le storyboard et la bande dessinée. Un western corse que l'artiste rêve de voir porter à l'écran. Pour planter le décor, il s'inspire une fois encore de son environnement. Direction les montagnes surplombant Bocognano.
Baptisé Corsega 1919, le projet raconte l'histoire de deux hommes qui traversent une Corse dévastée au lendemain de la Grande Guerre. Voilà. Bon. Bon. Tout va se passer là, donc là ça va être une poursuite à cheval, à fond la caisse, dans les descentes là. On va rire, on va rire. Pour l'instant, l'adaptation au cinéma est encore loin, mais qui sait ? En attendant le grand écran, Philippe Antonetti travaille sur ses planches et cherche, c'est au final tout ce qui compte, le trait le plus juste. Sans vouloir accorder au dessin plus de vertu qu'il en a, je pense que c'est un langage qui est nettement, nettement sous-évalué. C'est de la traduction, hein, c'est de la traduction à l'usage de tout le monde. Voilà. Donc il faut qu'un enfant comprenne du premier coup d'œil ce qui se passe. Ben, c'est ça un dessin.